Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme d'habitude, c'est la pleine forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, donc ça va être un mode versus en descente. Donc pour coup, je vais vous laisser avec Gilou qui va vous expliquer ça, bah, comme il se doit, bien sûr. Et oui, bien sûr, superbe intro. Super intro. Oh putain, oh non. Superbe intro. Allez, salut tout le monde. Bon, en fait, c'est pourquoi j'ai bugué. Parce qu'en fait t'as tout expliqué, t'as dit aujourd'hui mode défi, mode descente. Et puis voilà, en versus. Puis moi j'ai fait, qu'est-ce que je vais expliquer, c'est là. Tu veux pourquoi t'en dis tout seul? Ouais, mais. Tu dis ça, et après tu dis, Gilou va vous dire la descente qu'on va disputer aujourd'hui. Ok. Salut les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme d'habitude, c'est la pleine forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un mode défi, donc en mode versus. Donc ça va être une descente. Donc je vous laisse avec Gilou, il va vous expliquer donc la descente que nous allons faire, bien sûr. Alors aujourd'hui nous allons, bah, puisque c'est l'épisode 5, disputer la cinquième descente. Et comme vient de vous le dire Baptiste, eh bien nous allons disputer ces descentes, ou plutôt cette descente en versus. Donc on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir rigoler, c'est bon, tu peux t'ajouter. Voilà, c'est parfait. Donc nous allons disputer la descente de l'épine. C'est une descente de 7 km. Joueur 1, joueur 2. C'est la toute première fois, les amis, que je teste ce mode défi en versus. Donc à ce qui paraît, il y a un système de points, un système de temps cumulé, un système de victoire. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir, eh bien, voir après notre temps dans le classement mondial. En tout cas, je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être qu'après, le jeu enregistre notre meilleur temps. Si par exemple on fait 1 minute 15 en versus, peut-être qu'après en solo notre temps est enregistré et donc qu'on pourra voir notre temps dans le classement général mondial. Et puis on verra ça à la fin de la vidéo pour voir, eh bien, si notre temps en versus est compté dans notre temps en solo. Allez, c'est parti les potes pour disputer cette descente. Pour choper la médaille d'or, il faut terminer en moins de Attention, alors en moins de 1 minute 18, bien sûr, pour avoir 5 points, en moins de 1 minute 21 pour avoir 3 points, en moins de 1 minute 25 pour avoir 2 points. C'est voilà. Ça, et donc 1 minute 21 c'est la médaille d'argent, et 1 minute 25 c'est la médaille de bronze. Il me tarde de voir un petit peu comment va être l'affichage, puisque on, je sais pas du tout comment ça va se passer. On est juste à côté. What? Mais peut-être qu'on va se soncer dedans, enfin je sais pas trop. What? Mais ça a l'air super fun à jouer. Allez, par contre, oui, en descente, je t'ai pas trop expliqué le concept, mais en gros, faut sprinter pendant toute la descente. Parce que, en descente, généralement, tu perds. Tu peux sprinter pendant tout le long. Oulala, mais est-ce qu'on peut se gêner? Bah oui, on se gêne. Oh là là, mais c'est quoi ce truc carrément fun là? Allez, hop là, on trace. Oh là 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 là, je connais pas du tout la descente. On a les petites trajectoires bien sûr pour nous aider. Là, faut pas arriver trop vite. Oh, il m'a poussé le coup. Il m'a poussé le coup, il s'est servi de moi. On passe la banderole des 5 derniers kilomètres. Oh là là, mais c'est quoi? Allez, hop là, ciao. Allez, hop. Allez, on y va. Go. Oh là là, mais c'est quoi? C'est carrément fun. En plus, on a le temps d'avance qu'on a sur Baptiste, hein, sur notre rival. Allez, hop là, go, j'ai 12 secondes d'avance, à fond. Tu vas me déchirer. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce truc carrément énorme? À mon avis, on va faire plusieurs essais. Ah ouais, franchement, ça peut être super fun. Go, on est maintenant à environ 2 km de l'arrivée. Là, j'ai plus trop d'énergie, donc faut récupérer. Là, je peux plus trop accélérer. Hop là, le petit virage, c'est quoi ça? Le truc trop fun, je m'attendais pas du tout à ça, je vous avoue. Je pensais qu'on allait passer chacun de notre tour, enfin, et qu'on allait pas pouvoir se foncer dedans, enfin voilà quoi, un petit mode versus. Et au final, bah non, c'est carrément plus fun. Et au final, j'ai 25 secondes d'avance sur toi. J'arrive à choper la médaille d'or pour seulement, eh bien, 15 centièmes. Première victoire, 5 points, c'est parfait. Voilà, et... ah, bien sûr. Donc, bon, je m'attendais pas à gagner parce que voilà, Gilou a beaucoup plus de temps de jeu que moi et tout. Donc, clairement, on s'y attendait, hein. Mais bon, j'attendais pas à être si nul, hein.
Allez, on va sélectionner un autre défi. Et maintenant, on va directement aller voir dans le mode solo si notre temps est enregistré. Donc nous, on a fait 1 minute 18, c'est ça. Enfin, 1 minute 17 et 85 centièmes. Et on va aller voir maintenant solo. Et non, notre temps n'est pas enregistré, les amis. C'est dommage. Et au pire, je referai ces descentes en solo dans une prochaine vidéo. Prochaines vidéos. Et écoutez les potes, on est reparti pour retenter cette cinquième descente en versus. Bon les gars, au final on a décidé de prendre une autre descente parce que, pour vous avouer, cette descente elle est un peu compliquée pour moi. Donc pourquoi on va prendre la première, parce que certes c'est une qu'il a fait dans sa série, mais bon... Elle est simple quoi. Clairement. Ouais, elle est simple et puis surtout on peut s'amuser. Et puis même si on l'a déjà faite, enfin même si je l'ai déjà fait dans ma série sur le mode défi, sur le mode descente, on peut quand même la refaire. Et comme ça, eh bien on verra qui c'est qui remportera cette descente. Donc pour avoir la médaille d'or, il faut avoir, il faut terminer en moins de 1 minute. La médaille d'argent 1.02 et la médaille de bronze 1.05. Bon, je vous avoue que pendant les menus, on parle un petit peu en mode normal, mais après une fois qu'on est dans le gameplay, on est vraiment à fond, on rigole, et puis voilà. Bon, en même temps, on n'a pas trop l'habitude de tourner des vidéos à deux, mais au fur et à mesure des vidéos qu'on va tourner ensemble, on va être de plus en plus à l'aise, on va rigoler de plus en plus, etc. Allez, c'est parti, go pour cette descente qui est quand même assez courte, hein, seulement 5 km 500. On passe déjà sous la banderole des 5 derniers kilomètres. Allez, go. Ah, je vais essayer de te pousser un peu. Allez, bouge. Allez, hop là, pour l'instant. Il n'y a pas énormément de virages en épingle. Oh bah t'es... Allez, hop là c'est bon. Là j'ai un vélo d'avance sur toi. Attention quand même à ce virage là. Je sens qu'il va te planter. Allez, ciao. Oh, je t'ai freiné. Allez, go. Attention, peut-être première victoire. Tout va se jouer dans ce virage là. Oh oui, non, je suis super bien pris. Oui, on adore. Le dernier virage, on freine. Ah bah non, ah bah là. Oh, j'ai super mal pris. Allez, go. C'est la flamme rouge, qui c'est qui va remporter cette étape? Oh là, ça va être chaud. Non, oh oui, oui. Non, mais non. Oui, c'est cassé la gueule, allez hop. C'est bon, parfait. On va pouvoir remporter cette descente. Oh, et hop là, et en plus au passage on chope la médaille d'or. Et soit tu et toi t'as pas eu 40 secondes, ouais, mais 40 centièmes. Centième, allez. Oh là là là, c'était vraiment cool. Écoute, on va sélectionner une autre descente. Allez, ça part, on va tenter une autre descente. Bah, la 2. Ça part. On y va direct. Allez, go. Donc, une victoire, zéro victoire. Temps cumulé, ok. Parce qu'en fait, puisque tout à l'heure on a quitté le mode versus dans le mode défi, eh bien, nos sauvegardes n'ont pas été enregistrées. C'est dommage. Et là, puisqu'on ne vient pas de quitter le mode défi, eh bien, nos sauvegardes sont enregistrées. Et c'est plutôt pas mal comme ça. On peut s'amuser. Et puis. Même si Baptiste ne joue pas depuis énormément de temps au jeu, il peut quand même s'amuser, il peut quand même me battre, hein, parce que mine de rien, à 2 km de l'arrivée, t'étais encore à côté de moi. Par contre, cette descente, elle est un petit peu plus technique. Bah, et perdre, tu sais, quand la trajectoire est rouge, ouais, c'est à ce moment-là où tu dois freiner. Genre, même si tu sens que le virage tient, tu peux accélérer du moment où c'est rouge, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir freiner. C'est pour ça que tout à l'heure, tu t'es planté. Allez, hop là, donc là c'est à dire qu'il faut freiner. Bon, après, il y a des moments, genre tu sais, pour freiner, il y a des moments où il faut freiner plutôt que d'autres. Go. Putain, mais là tu reviens comme une bombe. Allez, go. Oh oui, je t'ai bloqué, allez hop, je t'ai gêné. Oh putain, il a quelques secondes d'avance sur moi. Enfin, pour l'instant, ça se voit pas trop à fond. Bon, moi je t'avoue que je la. Oh non! Allez hop! Oh hop là! Eh oui, il faut freiner quand. Bon, je t'avoue que je la connais cette descente, donc je sais comment il est arrivé. Un conseil, garde beaucoup de barres rouges parce que ça se termine en montée. Ah mais non. Ah mais si. Donc garde-en quand même un tout petit peu. Allez, go. On a maintenant 11 secondes d'avance sur Baptiste. Limite, on va pouvoir se mettre en position aérodynamique pour récupérer. Ah non, je crois que c'est pas sur cette descente que ça se termine en montée. Ah non, c'est pas du tout dans cette descente. Bon, au final, je gagne quand même. le gros bâtard qui lui a dit de la merde, tu sais. Allez, hop là, 1 minute 05. Je sais pas en combien... Il m'a mis 2 secondes. Enfin, pour avoir la médaille d'or, il fallait terminer en combien? Je sais pas, je sais pas, fais gaffe. Une minute 5.
Pardon. Ah oui, oh merde, j'ai fait recommencer. Ah, bon, oh, attends, non, on va quitter. On va quitter. On va faire la descente numéro 3 et on va voir retour au menu principal. Ah, mais du coup, bah oui, toutes nos progressions vont être enlevées. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, au niveau des points cumulés, tout ça, on s'en fout un tout petit peu. Nous, ce qu'on a envie, c'est de rigoler. Voilà. Et ouais, fallait terminer en moins de 1,05. Et j'ai fait un petit peu plus de 1,05, c'est ça? Un truc comme ça. Ah ouais, j'ai fait moins. T'as fait moins, ça va. J'ai fait 0,7 avec 2 secondes d'avance. Ah bon, ça va, tranquille. Et maintenant, les potes, on va attaquer cette troisième descente. C'est une descente de 6 km. C'est la descente de Grande Distance. Et pour choper la médaille d'or, on doit terminer cette descente en 1,06. La médaille d'argent en 1,08. Et la médaille de bronze en 1,011. Qu'est-ce qui me lique. Meilleur temps, j'ai fait 1,05 et 0,7 centième. Bon, je t'avoue que il me semble que c'est cette descente avec l'arrivée assez compliquée. Il me semble que c'est celle-ci. Allez, allez, go, 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 go. Elle est assez technique aussi, cette descente, je t'avoue. C'est parti. À fond, à fond, à fond. Bon, allez, là, on a déjà quelques mètres d'avance. Bon, quoique, non, pas trop. Là, déjà, le premier virage, il est quand même assez technique. Hop là, oh t'as pris un bon virage franchement, franchement tu t'es pas trop mal démerdé là. Hop là, là on freine, là on a pris un bon virage, on a pris un bon virage, c'est pas... Oh putain le bâtard, m'a bloqué, allez hop casse-toi. Hop là, là maintenant on peut tracer, hop, hop, là maintenant on freine. Ah ah, non le virage de merde. Et hop là, ah. Et oui, c'est bon, on a maintenant voilà, combien de secondes d'avance? 6 secondes. Hop là, hop là, hop là, hop là, à fond. Et là maintenant faut s'arrêter d'attaquer parce que bon c'est là où en gros il y a la dernière montée. Donc faut garder un maximum de barres rouges. T'en as plus beaucoup. Allez hop là, là on relance un tout petit peu quand même dans le virage. Et puis après bon on se remet tranquillement histoire de garder un tout petit peu de barres rouges. Je te donne quand même des indices, hein, je suis gentil. Allez hop là, maintenant on peut attaquer dans les 500 derniers mètres pour la montée. Go 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 go. 15 secondes d'avance maintenant. Et je vais terminer cette descente en 1,06 et 66 centièmes. Bon ça, 1,09, 92, 3 secondes. Bon, t'en penses quoi de cette descente? Bah je pense que tu m'as bien baisé. Ah d'accord, excellent. Excellent. Donc, bah, moi mon meilleur temps c'était 1,05 et 0,7. Et là j'ai fait 1,07. Donc au final bah, j'ai fait un petit peu de la merde là. Puisque la dernière fois j'avais fait encore 2 secondes de mieux. C'est pour te dire comment la dernière fois j'avais bien tryhard. Bien concentré, bien. Ouais, ouais, c'est ça, genre. Là, t'es avec moi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, les potes, on est parti directement pour faire la quatrième descente. T'es tellement nul. C'est tellement nul, gros. Attends, depuis tout à l'heure. Non, mais les virages que je prends, gros, ils sont dégueulasses, hein, vraiment. Gros, ils sont vraiment dégueulasses, hein. Genre. Bon, même moi à vélo, je serais mieux. Vraiment. Même moi à vélo, je serais mieux. Bon allez, c'est parti, quatrième descente, go 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 go, à fond comme d'habitude. Bon là déjà, au loin tu peux voir le premier virage en épingle, hein, si t'as envie d'anticiper un tout petit peu. Hop là, allez hop. Allez, si. Oh le bâtard, oh, il a pris un putain de virage. Allez hop là, là, par contre là faut freiner. Ah. Et oui. Non. Oh non, imaginez le coup. Allez hop là, ciao. Là, là c'est un petit peu plus serré, en plus cette descente est quand même assez courte, mais elle est assez technique. Mais regardez, il va plus vite que moi. Il y a plus vite que moi le con. Allez hop là, go 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 là faut. Bon virage, il a pris un bon virage le con. Alors là je vous avoue que ça va être chaud et pourtant je fais pas esprit hein. Oh là 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 là, allez à fond là maintenant. Mais il me bloque en plus ce con. Il prend des bons virages. Là le dernier virage il va tout jouer. Hop. Oui. Non, oui, oui, j'ai bien pris, oui, allez hop là, ciao. Mais non, ça se trouve pas. Oh, est-ce que je peux célébrer? Je sais pas. Et oui, je peux célébrer en plus, en je plus, sais pas. Midi. Allez, non, mais. Je savais même pas que je pouvais célébrer parce que depuis tout à l'heure, je célèbre pas. Bon, bon, t'as envie de recommencer parce que là, c'était serré. Tu pouvais gagner, tu peux gagner sur cette descente. Allez, allez, on y va. Allez, on recommence, c'est parti. On recommence, go. Et regarde, regarde mon joueur, il lève la main. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il bug. Allez, go, 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 go. Bon, d'accord, je sais pas trop ce qui s'est passé. Allez, allez, go, 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 go. C'est parti et je t'expliquerai aussi si t'es bien devant tout à l'heure. Ah bah d'accord, ah. Le premier virage planté. Ouais moi aussi j'ai pas fait mieux. Je t'expliquerai comment on fait pour célébrer. Genre en gros c'est la touche du haut puis après tu fais avec les flèches directionnelles. Tu captes? Ouais ouais. Il est concentré dans sa descente. Ouais ouais je m'en bats les couilles. Allez hop là, à fond à fond. Mais ce qui est bizarre c'est que tu vas plus vite que moi, c'est abusé ça. Allez hop là, là faut prendre un bon virage, viens prendre l'intérieur. Oh, oh non il m'a bloqué. Je prends mon virage. Non! Go 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 go, les deux derniers virages vont être super importants. Oh, j'ai pris un putain de virage. Oh, mais non! Oh, j'ai trop freiné! J'ai trop freiné!
Il a pris un bon virage, le con, il va aller gagner. Il va aller gagner. Genre, ce que tu fais, c'est que là maintenant, appuie en haut et puis appuie sur les flèches directionnelles. Alors, comme ça. Non, bah, mais non, je mais regarde, c'est faut faire comme ça là. Genre, t'appuies et hop. Mais je le fais. Mais faut maintenir. Je sais, faut pas faire. Et voilà, et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. J'ai gagné. Et oui, et t'as gagné. Bon, ça va. Il a quand même réussi à gagner, sélectionner un autre défi. Bon, au final, 2 victoires pour moi, 9 points. Une victoire pour toi, 10 points. Pourquoi t'as 10 points? pourquoi t'as 10 points? What the fuck? On peut voir que j'ai gagné Gilou. Hein. Là, les gars. Dans les commentaires, je vois. C'est peut-être parce que moi, j'ai pas chopé de médaille sur cette descente. Mais oui, ça doit être ça. Ça doit être ça parce que à la fin, genre, je m'en battais les steaks, je te montrais quand même comment célébrer. Bon, mais voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas. Qu'est-ce que t'as d'un coup là? Il fait les flots. Bref, les mecs, reprenons. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Tu reviens pour combien de likes? Et tu fais une série avec moi pour combien de likes? Bah, alors, je vais revenir donc pour 150 likes. 150, ça fait beaucoup quand même pour une petite vidéo sur le mode défi. Allez, 100. 100 ? 100. Ouah, ça fait beaucoup pour une vidéo sur le mode défi, mais bon, les c'est potes. Le challenge, c'est le challenge. C'est le challenge. Il reviendra, il fera des séries, et puis on est dans la bonne humeur. Dans la première vidéo, on était assez, on va dire, sérieux, puisque c'était. Une course sérieuse. Ouais, c'était. Puis c'était aussi la toute première vidéo depuis 2 ans. Donc Baptiste, le temps qu'il sera habitué. Puis là, il parle de plus en plus, on s'amuse de plus en plus, on rigole. Et surtout. Les fesses cam vont bientôt arriver, les potes. Et puis là, je peux vous dire qu'on va être à l'aise, que vous allez autant rire que nous, je pense. Hein. Bon, après, peut-être qu'à des moments, on va passer pour des cons aussi. Hein. Ah, on sait. On sait jamais. Ouais, donc voilà, les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Il me semble que j'ai déjà dit ça, mais bon, c'est pas très grave. Et le pouce bleu. Voilà, je te laisse faire la fin. Salut à tous. Salut tout le monde.